Il faut commémorer pour que les jeunes générations sachent ce qu'il s'est passé. Eh bien bonjour les amis du journal catalan. Aujourd'hui je suis à Valmagna pour les commémorations avec Madame la ministre Ségolène Neuville qui depuis de nombreuses années et cette année encore répond présente pour ces cérémonies. Donc cette année vous avez rappelé dans votre discours les sombres heures de notre histoire ainsi que hélas l'histoire récente qui nous a frappés. Donc Madame la ministre, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots s'il vous plaît ? Bonjour, alors effectivement ça fait, je calculais tout à l'heure, c'est la 8e année que je viens pour cette commémoration à Valmagna. J'ai été élue en 2008 et en 2008 je faisais la course du Canigou, mais à partir de 2009 je suis venue chaque année. Pour une raison simple, c'est que j'ai des attaches à Valmagna, je connais bien le maire, mais au-delà de ça, cette commémoration, elle est importante pour l'ensemble du département parce qu'elle symbolise à elle seule toute la résistance qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Pyrénées-Orientales. C'est un jour d'autant plus important dans la période que nous traversons malheureusement aujourd'hui en France, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure publiquement, parce que les jeunes Allemands qui sont devenus des nazis, on peut se demander pourquoi ils sont devenus des tortionnaires. Et de la même façon, c'est la question qui se pose aujourd'hui. On a des jeunes gens français qui n'ont même pas 20 ans et qui deviennent aussi des assassins fanatiques. Quels sont les mécanismes ? On peut supposer qu'il y a le même type de mécanismes qui ont pu agir au moment de la Seconde Guerre mondiale et des nazis et des fascistes. Et puis, il y a aussi un facteur important, c'est qu'il faut commémorer pour que les jeunes générations sachent ce qu'il s'est passé et qu'ils sachent que si les gens sont rentrés dans la résistance, s'ils se sont défendus, s'ils ont fait la guerre, c'est pas parce qu'ils avaient envie de faire la guerre. C'est simplement qu'ils avaient des valeurs, et ces valeurs, c'était qu'ils voulaient pas vivre dans un pays raciste et antisémite. C'est pour ça qu'ils se sont battus contre l'occupation nazie. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on défende cette valeur-là, qui est la fraternité dans le fond, c'est-à-dire le fait effectivement de vouloir vivre tous ensemble. C'est le vivre ensemble que l'on défend aujourd'hui. Et cette commémoration aujourd'hui, elle avait aussi ce sens-là. Écoutez, merci en tout cas beaucoup de votre disponibilité, d'être toujours présente et d'avoir rappelé ces valeurs essentielles qui, je crois, effectivement, sont essentielles pour notre pays. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci.